Moi, je m'appelle Ludivine Gilles. Je suis chargée du jeune public au Festival Cinéma d'Alès Itinérance. On est dans un pôle jeune public où on travaille à deux avec Lily Dos Santos qui est ma responsable. Et je suis coordinatrice pour le dispositif École et Cinéma dans le Gard. Festival Itinérance coordonne École et Cinéma dans le Gard depuis 18 ans. Donc notre travail à nous va être de faire le relais entre les établissements qui désirent participer au dispositif et s'inscrire et moi particulièrement pour l'aspect cinéma, faire le relais avec les salles de cinéma. Donc je suis la coordinatrice École et Cinéma pour l'éducation nationale. Je suis conseillère pédagogique arts plastiques et départementale au sein de la mission Arts et Culture. À ce titre-là, mon rôle, c'est de relayer au niveau départemental les orientations nationales pour l'éducation artistique et culturelle dans le cadre des programmes et des apprentissages à l'école et notamment le plan Réussir le 100%. Donc, ceci pour toutes les écoles gardoises. On a des intervenants, on bosse avec des exploitants, avec énormément d'enseignants. On brasse énormément de monde par rapport à ça, sans compter après tout ce qui va être dossier pédagogique, etc. Donc c'est vrai que nous, en tant que structure coordinatrice, on est fédérateurs. J'ai cette chance de pouvoir échanger beaucoup avec les enseignants qui me font part de toutes ces expériences vécues et qui sont pour nous un formidable moteur. C'est ce qui nous permet de toujours chercher à innover, à proposer des nouvelles pistes. Et c'est vraiment ce qui nous nourrit. Nous, on travaille avec 11 exploitants sur le département du Gard, dans des villes comme Alès, Nîmes, Le Vigan, Uzès, Bagnols-sur-Cèze, partout. Ce qui est chouette, c'est que eux, ça leur permet de faire pas mal d'entrées, parce que le dispositif, quand même, à l'année, ça représente pas mal d'entrées. Et derrière, on travaille aussi avec un circuit itinérant. Pour le coup, on va aller dans des endroits où il n'y a pas de cinéma. On voit qu'autour des cinémas, il va se jouer des choses. Les enfants vont pouvoir associer le cinéma à un lieu culturel. C'est comme un musée, c'est comme un lieu de spectacle vivant, c'est comme une médiathèque. Et du coup, ça crée du sens pour eux et ça permet de construire cette conscience de ce territoire qu'on a à disposition et vers lequel on va pouvoir aller après, plus tard. On a des listes nationales de la part des ministères et de passeurs d'images, qui est l'organisme qui gère École et Cinéma, sur lequel il y a environ 120 titres. Nous, dans ces 120 titres, on va faire ce qu'on appelle une shortlist. On en sélectionne à peu près une quinzaine pour les cycles 2 et les cycles 3. Et ensuite, on en débat et on en discute en comité de pilotage. Et c'est là où la coordination École et Cinéma est gérée par un binôme éducation nationale et un binôme cinéma. Et c'est là où moi, étant le binôme cinéma, je m'investis à fond et où je me bats pour défendre certains films. On a des valeurs à véhiculer à l'école et les films du catalogue, ça a été pensé par un dispositif national avec des professionnels du monde de l'éducation nationale, de la culture. Donc c'est des films forts et si à l'école on n'est pas là pour proposer des œuvres comme cela, on ne fait pas ce qu'on doit faire. Voilà. Donc pour nous c'est très important. Quand on pense la programmation, on la pense dans une idée de progression. On part sur des films au premier trimestre qui vont être plus accessibles et progressivement, on monte la difficulté des films. Donc à mes yeux, École et Cinéma est un dispositif qui va permettre dans un premier temps une initiation à certaines formes du cinéma pour évoluer progressivement vers d'autres dispositifs dans la continuité de collège au cinéma, lycéen au cinéma. On est sur un dispositif d'éducation à l'image, hein, le cinéma en tant qu'art. Et donc, on est sur un véritable parcours d'éducation artistique et culturelle. J'essaie d'impulser une dynamique au niveau des pratiques pédagogiques et artistiques. Et donc, la formation des enseignants est la clé de voûte du dispositif. Et j'essaie de concevoir des outils et mettre en lumière les outils qui existent par la coordination nationale passeur d'images pour les faire connaître aux enseignants. C'est un très chouette projet, vraiment, c'est un très chouette projet qui amène beaucoup de choses à plein niveau, qui amène beaucoup de choses aux élèves, aux parents, à tout le monde.
Certes, c'est un projet qui ne parlera pas à tous les élèves. C'est sûr que sur des classes de 25-30 enfants, ben, ça ne plaira pas à tout le monde. Il y a des enfants qui n'en retiendront rien. Mais si nous, on arrive à faire en sorte qu'il y en ait un seul qui se pose des questions, je trouve que c'est déjà absolument énorme. Alors c'est vrai qu'on a une spécificité dans le Gard, c'est qu'on a monté il y a 3 ans l'opération Grand Écran. Les classes participantes ont en octobre ou novembre à voir les films. Ils ont une démarche pour les regarder, parler dessus et échanger, débattre, et que chaque enfant puisse voter pour son film préféré. Donc on est vraiment dans une démarche citoyenne et démocratique. Et les films lauréats seront proposés à voir au cinéma avant les films écoles et cinéma. Donc ils seront projetés sur grand écran. Voilà. Donc du coup, on relie l'élève spectateur à l'élève réalisateur de films et à l'élève critique. Dans une perspective éducative, plus on s'y prend tôt, comme on dit, au cours du parcours scolaire, mieux c'est, parce qu'on est plutôt sur de la prévention plutôt que de la réparation. Voilà. Et donc, il y a tous ces enjeux qui sont bien évidemment partagés.